Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau test. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tabac qui m'a été fourni et je vous mens pas. Comme d'habitude, hein, je pense que je suis dans la sincérité avec vous. Donc, je suis parti acheter du tabac chez le bureau de tabac, donc le buraliste. Je lui ai demandé donc une boîte de tabac. Donc je vous rappelle, c'est de Winston, hein, Winston classique. Donc je prends Winston et elle me dit, toi qui fais des vidéos sur YouTube, tu pourras nous faire un test sur les news et nous dire ton avis. Je lui dis, pas de problème, tu me le vends combien? Bon, à me le vendre à 10 euros parce que papa me faire un prix, tu vois gros. Bon, il est sous emballage, je l'ai laissé sous emballage rien que pour vous. Donc je vais l'ouvrir. Alors c'est la même chose. Y a pas à dire. Oui, je vous ai pas menti, hein. Il était sous emballage. Bon, à part que les filtres, voilà. Donc, on est sur du news roulé. Je pense qu'on est sur du 30 grammes normalement. Donc, la pochette, elle est comme ceci. Voilà. Pareil pour ce côté-là. Okay. J'espère que ça va être bon, hein, parce que voilà, je vais avoir pas mal. Alors, on est sur du. Je vais vous le dire, du. Oui, c'est ça, 30 grammes, c'est ce que j'avais dit. Donc la pochette est comme d'habitude. J'ai l'odeur du champagne. J'ai pas bu de champagne, hein, je vous assure. Vous savez, on dirait quoi? On dirait le vin chaud. Du vin chaud. Donc on va tester ça dès maintenant. On va faire comme d'habitude la petite clope, un peu de tabac. Par contre, on dirait du shit dans dedans. Pourquoi il m'a vendu ça, je sais pas. C'est normal, je oui. Alors hop. Donc non, non, s'il te plaît, ne me fais pas tomber. Alors je fais fil, enfin je fais un peu éparpiller le tabac. Voilà. Je vous ferai une test, enfin un test de votre carré de bulle. Savoir est-ce que je suis capable de boire 4 verres de votre carré de bulle. Je me suis posé cette question-là de faire ce test. Oui, je suis capable. Ma copine, elle va me dézinguer, ça va ça. Super. Donc voilà. Donc on met ça là. On met le tabac. Bon, après, je vous explique pas hein, comment ça se déroule. On prend des feuilles. Par contre, les feuilles, ça part très vite. Hein. C'est violent. On met ça là. Hop, hop. On fait la petite roulée des familles. Voilà. C'est bien quand je suis en train de rouler, il y a des gens qui m'envoient des messages. C'est gênant. Oui, je sais ce gênant. Donc, on fait la petite clope des familles. Donc, elle est comme d'habitude. J'insiste juste. Si j'ai mon feu. Ouais, j'ai mon feu. Ma carte bancaire est posée sur la table. Et on est parti, mon frère. On est sur 19%. Ouais, ça passe. Allez, on y va, go. Donc là, on est sur du roulé. Donc, feuille à rouler, news. Donc, j'ai fait Winston et je vais faire du roulé. Donc, c'est parti pour le test. Ah, c'est meilleur. Hey, comme. Quand on crache la fumée, on a cette odeur de menthe. C'est bon. Non, mais attends, j'ai un souci, c'est pas possible. Bon, déjà, on va faire un imprévu. On va faire un petit imprévu. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je suis tenté à reprendre? Je sais pas. Tu vois, frère, je ne sais pas parce que normalement, je suis sur Winston. Je suis pas sur News. J'ai pris le John News, je crois, auparavant.
Ouais, non, je sais pas, je sais pas, j'ai pas mis de truc dans mon coca, je pense, non. Non, mais parce que normalement, quand tu fumes des Winston, tu dois sentir que c'est roulé, tu vois, c'est fort, c'est fort au chocolat. Mais là, c'est fort. J'ai l'impression de fumer une cigarette électronique. Mais c'est dément! Mais c'est qui vous, mon pote? Non, 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 y a une petite arnaque là, y a une petite arnaque. J'y crois pas. Mais j'y crois pas, frère. Attends. Vous avez vu? Je fais plus de fumée qu'avec. Non, 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 non. Y a une couille dans le pâté, frère. Y a une couille dans le pâté. Bref, on est là pour tester, on n'est pas là pour dire qu'il y a des couilles dans le pâté, frère. Donc, pour ce test, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Une très très bonne nouvelle. Je lui donne, rien que pour ça, mon pote, rien que pour ça, je lui donne un 9 sur 10. Pourquoi? Parce que, vous savez que je suis fumeur, t'as le droit. Tu fumes des roulés, tubés. Tu es là en train de dire, putain, j'ai mal à la gorge, aidez-moi à appeler les pompiers, appeler le SAMU, j'ai mal à la gorge. Là, tu fumais Winston, Winston, ça passait, mais ça avait mal à la gorge. Mais tu fumes News. Je pompe, ça pique pas. Il y a un souci, frère. Bref, pour ce test, 9 sur 10. C'est carrément obligé, carrément obligé. Moi, il me faut du tabac. C'est bizarre, non, mais le truc, il est bizarre. Je crois qu'ils ont dû me refourguer ça parce que c'est. Je sais pas. Je sais pas, cousin, je sais pas. Bon, bref, on est là pour tester. Donc, pour ce test, 9 sur 10. L'odeur de la fumée. Ouais. Faut pas donner 9 sur 10 tout le temps, c'est pas juste, ça serait pas du jeu, gros. On va pas donner 9 sur 10 tout le temps, allez, 8 sur 10, c'est bien parce que j'ai envie de faire le suicide pour une année de plus. Oh, il y a une jolie fleur blanche, j'ai envie d'aller la récupérer, me faire, je vais me faire un flambeau. Non, mais vous inquiétez pas, j'ai pas de bien. Donc, non, non, 9 sur 10, donc on est sur du 9 sur 10 sur la saveur, 8 sur 10 sur la qualité de la fumée. Et même pas, j'ai trouvé ça un truc étrange, c'est que la fumée, c'est sympa. C'est quoi, frère? C'est du V2, ça se passe comment? Non, 9 sur 10 qualité et 8 sur 10 sur l'odeur de la fumée. Et tout simplement. C'est étonnant. C'est étonnant. Et donc, pour tout ça, je lui donnerai un 10 sur 10. Salut les hélicoptères militaires. Vous venez à ma rescousse? Oui, j'ai bu, mon frère. Non, je rigole. Salut. Jordan Marie, bonjour. Ah, ils sont chauds quand même de passer là. Ce test est réussi, les amis. Il est super bon. Je peux même me refumer une deuxième, quoi. Mais j'ai pas refumé une deuxième, tu vois, ça sert à rien. Mais c'est super bon. Y a rien à dire. 10 sur 10 sur cette clope-là. Donc, test, une news, cigarette. J'espère que c'était ça vous aura plu. Un petit c'est le cas, frérot. Tu sais ce que t'as. Nique ta mère. Tu sais ce que t'as à faire dans cette vidéo? Un pouce bleu, un j'aime, un commentaire si t'as envie, un max de vues pour me motiver, et j'espère te retrouver à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ça sera moi. Ça sera tout pour cette vidéo-là. À la prochaine pour de nouveaux tests. Sur ce, ciao, mon colonel. Au revoir.